Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre aventure horrifique sur Evil Within 2. Un grand merci tout le monde d'être toujours aussi nombreux par épisode et de mettre autant de likes, ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, fermez les volets, éteignez les lumières, mettez un casque ou des écouteurs et on se replonge dans cette horreur qui s'appelle tout simplement le STEM. Et on devait aller à l'armurerie. Je pense qu'après l'armurerie, on aura quasi tout fait dans cette ville de l'horreur. Et on va pouvoir enfin aller au signal de la gamine, donc à l'épisode 9. Allez, nous sommes repartis dans l'armurerie. Alors évidemment, je vous ai fait passer ces temps de chargement, hein, dès le début de vidéo. Bon, on n'a pas notre café. On n'a pas notre café, mais c'est pas grave. Caslantiano, comme on dit, on l'aura peut-être plus tard. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc on est reparti dans l'armurerie. Souvenez-vous... Oh putain, il y a quelqu'un aux ascenseurs. Juste à côté. Il y avait quelqu'un et ça, moi, je m'en souviens très très bien. Donc, je me sens en sécurité. Merci, non merci. C'est-à-dire qu'on a pas mal de balles. On a quand même quasi toutes les armes. On a de quoi se faire plaisir. Hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas ce qui nous attend. Je sais pas si on va avoir une deuxième ville. Ok. C'est là où il y avait du monde, hein. Ils sont deux. On va pas prendre le pont, on va prendre ça. On va l'escalader calmement derrière. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Monsieur, non. Vous allez pas passer par ici quand même. Je suis full cramé normalement. Je suis full cramé, mais pas pour eux, pas pour lui. C'est bon. C'est bon. Aucun souci. Aucun putain de souci. Je suis une machine. En me retournant, je suis une machine. J'aimerais tellement aller plus vite, putain. Mais ce n'est pas possible. Allez! Oh là là, on commence à être des machines. Hein. On commence à être des machines, on va pas se mentir là-dessus, les gars. Hein. Il y a juste les trucs d'infiltration obligatoires. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il y a un boss où on est obligé de la jouer infiltration comme bah, le fantôme. Parce que je vois pas comment on peut tuer un fantôme concrètement. À part peut-être avec l'énergie solaire, mes couilles au bord de l'eau, gros. Ok. On a des ascenseurs. On va éviter de les prendre, évidemment. Mais pourquoi pas. Ah, ils auraient pu mettre un petit truc sympa dedans. Donc, à part le fantôme... mais même ça, c'est chiant, en fait. Moi, j'aimerais bien avoir la possibilité... C'est comme Outlast de tuer... En fait, tout simplement, les gens. Les gens qu'on croise. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un petit peu terrible. Bougez pas, je sais plus où je suis. Ah, ça y est, je me souviens. Je me souviens ce qu'il fallait faire. Il fallait utiliser un arc électrique pour alimenter un panneau. Et j'avais préféré faire demi-tour. Tout simplement. Tout simplement au cas où. Parce qu'on savait pas du tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ce panneau. Et là, on va le découvrir tout de suite. Et c'est parti. On sort le pont, parce que la loi c'est moi. Ok, boucherie charcuterie à l'horizon. Alors par contre, jusqu'ici, bon on est déjà au 8ème épisode, hein, ça va vite quand on s'amuse. Mais jusqu'ici le 1 était plus horrifique je trouve, beaucoup plus sombre. Mais on a encore rien vu concrètement. Ok, lui je passe à travers son corps. Je suppose qu'il est mort. Ah mais c'est un raccourci. Mais c'est totalement un raccourci, en fait. Ça ne sert à rien, on est passé par ici, merde. Oh, je me suis fait pranker. Y a rien, en fait. Ici, y a strictement rien. Tout ceci n'est qu'un pur prank. Hop, bonjour, monsieur. Ah, dur. Merde. Tout ceci n'est qu'un prank. Oh là 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 là, ça fait mal les gars d'apprendre ça. Ça fait mal, je me suis fait outre. Oh là là, je me suis tellement bien fait
pranké. Bon, on a perdu 4 minutes de vidéo. Bon, on a quand même ouvert cette porte. Bah, on se retrouve à l'extérieur, les gars. Eh bien, tout le monde, j'ai donc perdu 5 minutes à quitter cet enfer qui était l'armurerie parce qu'on n'avait plus rien à y faire. Et je suis retourné à la planque qui s'approchait de la voix de la gamine. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller. Mais avant cela, je vais prendre un petit café. Parce que figurez-vous qu'au retour, j'ai croisé non seulement une personne qui m'a fait utiliser 3 balles de pistolet, mais en plus de cela, parce que c'est jamais assez pour eux, j'ai recroisé le fantôme. Voilà, j'ai croisé le fantôme et je me suis bien fait... je me suis chié dessus et je me suis bien fait chier dessus. Donc c'était assez terrible ce retour, mais c'est pas grave. C'est pas grave les gars, un petit café pour oublier, y a rien de mieux. On va enfin pouvoir aller voir la voix de la gamine. On sait pas du tout ce qui nous attend. Néanmoins, cette fois-ci, je pense qu'on est bien équipé. On a pas mal de petits trucs assez sympas. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'atelier par ici. C'est fort dommage, je sais pas ce que vous en pensez. On sauvegarde? Allez, on va sauvegarder. On va aller voir. Tiens, je crois qu'il y a un atelier par contre, de l'autre côté du miroir. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc on y va de ce pas. On y va de ce pas. Et c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. À chaque fois que j'arrête le record, si je fais 3 mètres sans vous, il se passe des choses en fait. C'est horrible. C'est horrible. Donc on va aller dans le miroir, les gars. Salle de Sébastien. Ah, d'ailleurs, attendez. J'ai un diapo à regarder. Hop, yo frérot. Alors c'est le chat qui était dans Evil Within 1 aussi, qui venait sur les genoux de la demoiselle de Kidman. Ok, c'est parti. Ah, je suis passé à côté d'un diapo, je sais pas du tout où il doit être. Toujours debout, Kidman. Pas de repos pour les braves. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que Lily soit vivante. L'incendie. Lily n'est pas morte dans l'incendie. Vous le savez maintenant. Dites ça à mon cerveau. Dites ça au cauchemar que je fais depuis des années. Pourquoi l'ont-ils emmenée? De toutes les petites filles du monde, pourquoi la mienne? Je n'ai pas de réponse à ça, Sébastien. Mobius a enlevé Lily bien avant que je les rejoigne. Je sais que vous ne croyez pas aux coïncidences. Mais peut-être que vous voyez un complot parce que vous le voulez. Vous savez, certains crimes arrivent comme ça. Sans raison valable. Juste une personne qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Je refuse de croire ça. Quoi qu'il en soit, l'incendie est un souvenir que vous devez oublier, Sébastien. Ce n'était pas votre faute. Et vous n'avez pas perdu Lily à cause de ça. Ne l'oubliez pas. D'accord. Ok, donc chaque diapo nous en apprend un petit peu plus sur, à mon avis, comment Lily a bien fait pour survivre. Oh. Merci, le chat. Bah merci le chat, d'accord. Donc chaque diapo m'apporte 700, c'est pas mal ça. Qu'en pensez-vous? Y a pas d'autres diapos? C'est pas mal du tout, ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, on va pouvoir aller voir la voix de la demoiselle. Je voulais voir, non mais y a pas d'établi. Si, mais si, y en a un, je suis pas fou. Il est juste à gauche, voilà. Ok, je vais me fabriquer. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc fabrication. Et puis c'est parti, on va se fabriquer... Allez, combien? 6, 7, 10 balles peut-être? 10 balles. Ça me coûtera 20. Ça me paraît cool. J'ai des cartouches de pompe qui m'attendent à gauche. Je peux me faire des carreaux fumigènes. J'ai pas mal de trucs. Écoutez, j'ai réellement pas mal de trucs. Je pense être bien stuffé. Je suis peut-être pas le meilleur stuffé pour aller voir, parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, pour aller voir ce qu'on va aller voir. Mais c'est pas dégueulasse. Donc on est parti. On sauvegarde une dernière fois pour pas tout refaire quand même. Allez, on sauvegarde une dernière fois pour pas tout refaire. On a bu notre petit café, donc normalement on devrait être bien plus en forme. Ah, attendez. J'ai assez de gel vert, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Attendez, je sais pas. On va pas faire n'importe quoi. Une fois que j'ai assez de gel, on va améliorer sa vie, les gars. Donc on est parti. Trouver d'où provient la voix de la fille. Donc on va le trouver. Très rapidement. Il y a des bruits suspects. Elle vient de là-bas, en fait. Non, mais les gars. Attendez, les mecs. Oh là là, il y a encore une folle. Il y a encore une putain de folle. On a quelque chose par ici. Un mec de Mobius. Il est totalement mort. Je vais le fouiller et me régaler. Oh là là, mais rien que pour aller voir la... C'est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Rien que pour aller voir la fille, les gars, c'est une épreuve. Faut que je la tue, hein, je pense. Hein. Va falloir que je la tue, elle apporte 700. Là, les gars, je vois 1000 gels. Hein.
Je vois la mort, mais je vois avant tout 1000 gemmes en fait. Donc ça serait peut-être intéressant. Oh là là, si seulement je pouvais construire ne serait-ce qu'une grenade. J'en demande beaucoup, je sais les gars. Ok, 5 fusils. Ah non, plus 1. D'accord, là je sais qu'il y a une trousse. Ok, j'ai laissé quelques maisons avec des trousses et des seringues. La voix de la jeune fille venait d'ici. Hein. Ah ouais. Ça venait d'ici, très clairement. C'est parti les amis. Direction au ravitaillement. Direction l'histoire principale depuis le temps. Ok. Est-ce que c'est Lily ça? Qu'est-ce que... Lily? Je n'y crois pas une seule seconde. Lily? Tu es là? C'est papa! Où est-elle passée? Je n'y crois pas une fichue seconde. Oh là là. Oh, ça sent pas bon, ça. Lily? Faut pas faire des blagues à ton père. Lily, tout va bien. Non mais arrête, arrête de dire ça. C'est moi. Ne marche pas en parlant. Tu vas nous mettre dans la merde. Il va y avoir le photographe encore derrière une porte. Il est toujours derrière une porte et à chaque fois il me fait peur. Allez, calme-toi. Comment est-ce que je peux entrer là-dedans? Tu déconnes, petit. Ça, c'est un aller simple pour l'enfer, hein, je vous le dis immédiatement. C'est un putain d'aller simple pour l'enfer. Ok. Je prends. La poupée de Lily. Elle était là. Quelqu'un la poursuit. Il faut que je vérifie de l'autre côté, pour voir où mène cette fenêtre. Alors, ils avaient besoin d'un enfant dans le STEM pour pouvoir, comment on peut dire, pour pouvoir connecter un enfant pur, pour connecter le maximum d'esprit sans que ça parte en couille. Mais c'est parti en couille. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont connecté un esprit totalement. Totalement dingos. Il y a du monde juste dehors, les gars, au point où on en est. Au point où on en est, je vous le dis, autant aller suivre les traces de Lily. Mais on ne peut pas, en fait. Il faut... Ah non, d'accord, je suis obligé de ressortir, en fait. D'accord, bon, bah écoutez, on va s'amuser. On va s'amuser parce qu'il y a du monde dehors, vous avez entendu. Putain, putain, je peux faire des cascades sur des voitures où il se passe rien. Par contre, c'est pas possible, les gars. Ok, qu'est-ce qui se passe? Résonance, chercher derrière, très bien. J'ai essayé de faire vite. J'avais entendu une voix qui traînait dehors. Ok, c'est par ici. Donc là, on avance, hein, les gars. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si on reviendra par ici. Ok, Lily. Où est-ce que tu t'es enfui? J'ai rien vu. Enfin, j'ai rien compris. Hein? Qu'est-ce que... Un autre signal. Parfait. J'arrive, ma chérie. Accroche-toi. Eh ben, on va y aller, tout simplement, les gars. On va pas se faire chier. J'ai bien envie de tuer tout ce monde là-haut, là. Vous en pensez quoi, les gars? Ça me paraît être sympa, ça. Donc, on va prendre le snipe et puis on va s'amuser. On va s'amuser un petit peu. On va décoller 2-3 balles là-bas. Parce que moi... Oh non.
non. On n'est jamais tranquille ici. On n'est jamais... Quoi ? Il m'a touché. Aïe ! C'est quoi cet enfer ? Vous êtes quoi ? Ah ! Ah ! Là ! Ok, donc il se relève trois fois. Oh putain, c'est quoi ça ? 1000 ! Putain, vous me régalez les gars. Deux d'un coup. Oh. Eh les gars, vous êtes malades dans ce jeu. Vous êtes des grands malades. Bon, par contre, 1000, je dis pas non. Je vais pouvoir encore améliorer ma vie. Et il y a la meuf en plus qui apparaît. Oh putain, ils ont disparu, je crois. Oh non, ils ont tous disparu. Oh non, ça me fait mal. Attends. Peut-être parler un peu trop vite. Mais si, si, ils ont bien disparu. Ah, oh, ça me fait mal, là, ce que vous dites. Parce que peut-être que si je l'ai tué, finalement... peut-être que si je l'ai tué... bah, il n'y avait pas les deux sortes de chiens. Oh, putain. Merci, bébé. Ça, ça me fait plaisir. Ok, 5 sur 32. Bon, bah écoutez, on va écouter la voix de Lily, tout simplement. Histoire d'en apprendre un petit peu plus. Où elle a bien pu passer. On va pouvoir se calmer, je vais ranger le sniper. Bon, on a croisé une nouvelle espèce. Sûrement votre disparition, celle-ci, vu qu'on la croise que maintenant. Ok, ça vient de là-bas, la voix. Oh là là, elle est passée à travers des... Ouh, ça vient de là-dedans. Yo! Froid. Non. Non. Oh non. Elle est partout, celle-là. Et elle est là. Je sais pas du tout où elle peut être. Je peux pas sortir. Le bonheur. Merde, encore cette chose. Mais les mecs! C'est bon, elle est partie. D'accord. On va réessayer. Non, on va pas réessayer. J'ai. Elle est là, putain, en plus. Ok. D'accord. Examiner. C'est un petit peu terrible. Hein. C'est un petit peu terrible. Je sens qu'on va devoir jouer encore cache-cache à cache-cache avec la demoiselle. Faut savoir qu'elle ferme les portes, hein, par contre. Hein. On ne savait pas. Oh là là, je suis comme un abruti, les traces de pas. Ça fait du mal. Sang. Vieux de plusieurs jours. J'espère que ce n'est pas celui de Lily. Ok. Il avait peut-être du sang sur les mains, la petite Lily. D'accord. J'aime bien là-bas. J'aime bien. Ça me rapproche de... Ok, on va y aller de ce pas. Ça me fait plaisir. Là-bas, j'aime bien. Ça me rapproche du frérot O'Neill. Donc, on va y aller. Et je pense qu'on passera au chapitre 4 quand on aura fait tous les points de résonance. Il nous force à nous trimballer en ville. Mais ça fait plaisir. Vu qu'on a déjà vidé la ville, les gars. On a déjà vidé la ville. Un petit café, par contre, attention. Hein. Pas de refus, les mecs. Hein. Ah, clairement, pas de refus pour un petit café. Hein. Ok, elle est là. Où elle a bien pu aller? Sûrement pas dans ce bâtiment. Oh. Dieu merci.
C'est beau la magie du STEM. Le STEM, c'est tout ce qu'on aime. On dirait qu'elle s'est cachée ici. Il y a quand même quelque chose à droite, hein. Je sais pas c'est quoi. Elle est sûrement dans cet entrepôt. Petite maligne. Je parie que cet endroit déborde de cachettes. Ah oui! Oui, mais alors non! Est-ce que je puis me permettre de dire que je ne suis point d'accord? Parce que cet entrepôt, on y a été en fait. Et c'est pour ça qu'on pouvait pas rentrer. Putain, heureusement qu'on a fait le ménage, c'est moi qui vous le dis, les gars. Heureusement qu'on a fait le ménage. Cet entrepôt, on pouvait pas rentrer. Bah sûrement parce que bah fallait suivre l'histoire. D'accord. Donc il y a pas mal de maisons fermées qui vont être ouvertes, je suppose, grâce à l'histoire. Bon bah c'est bon, on a déjà tout. Lily. On est des machines. Lily. On est des putains de machines. Doucement les gars, putain. Merde. C'est terminé. Rendez-vous. Je suis suréquipé. J'ai un fusil à pompe. Lily. Ça venait d'en haut. J'aime pas quand ça grésille l'écran. Et maintenant je peux ouvrir. MDR, pas du tout. Elle a dû se faufiler là-dedans. Il va falloir que j'y aille. Vous imaginez un mec qui a tout fait avec un seul pistolet ? Elle est pleine de ressources, cette petite. Elle va s'en sortir. Je dois simplement la trouver. Il y a rarement autant de sang pour rien, je te le dis, mon pote. Elle est pleine de ressources. Mais moi, justement, je manque de ressources. J'ai mon seul génie comme simple ressource. On va aller là-haut, hein, les gars, si ça vous gêne pas. Juste histoire de prendre un petit peu de hauteur sur cet entrepôt magnifique. Oh, attendez. Peut-être quelque chose, là. Ou peut-être pas. D'après vous, elle est en haut ou en bas ? C'est une très bonne question. Je pense qu'elle est en bas. Je pense qu'elle est en haut, pardon. Mais je pense qu'en bas doit y avoir des trucs. Yo, c'est tout simplement la sortie, MDR. Allez, on est reparti. On la trouvera pas, les gars. Sébastien, je sais pas à quoi tu penses. Tu sais que c'est improbable de la retrouver ici. C'est pas méchant, Sébastien. Je suis de tout cœur avec toi, putain. Mais là, c'est pas possible. Il faut que tu fasses un effort, Sébastien. Ok. J'ai repris le crampon. Pardon, je suis perdu dans les menus. Il y a un mec, hein. Il y a un mec, et il n'est point tout seul. Les gars, ils sont insensibles à la lumière, encore une fois. Ça me change, hein. Quelqu'un. Quelqu'un me provoque. Rien là. Attends, t'aurais pu laisser un truc gros. T'as tout graillé toi. Allez, balle de pistolet. Ça sent la douille. Ok, dégagez le chemin. Je ne sais pas ce qu'il apporte, ce trophée. Mais on verra plus tard. Ok, il était tout seul, je suis rassuré. 300, les gars, c'est pas mal ça niveau gel, non? Vous en pensez quoi? On est gâté là, hein. On est gâté. Ok, on va pouvoir y aller. Il n'y a pas une petite statue là, dans les parages? Non. C'est parti. Ah? Non, j'ai cru que c'était une statue, c'était une boîte de conserve MDR. D'accord, donc la gamine est là-haut, hein. La gamine est là-haut, il y a une sorte de petit entrepôt, petite pièce. Une pièce dans un entrepôt. Est-ce que ce serait un entrepôt dans un entrepôt? Yo! Ok. Oh là là! Pièce détachée supérieure. La voilà notre vis, les gars. La voilà notre vis. Donc c'est parti. J'ai bien envie d'améliorer le fusil à pompe. Hein. J'ai bien envie d'améliorer le fusil à pompe, je pense. Donc on va le faire de ce pas. Voilà, là on est passé à 110% de puissance.
Mais c'est mérité. C'est mérité, ça me fait plaisir. Temps de recharge. On charge un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'on peut se fabriquer de beau, les gars? Il y a forcément des trucs sympas. On va faire... tiens, vas-y. 5 balles, pardon. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'en faire 2, peut-être. Et une balle de fusil snipe. Ça me paraît pas mal. On peut se faire un autre car warponeur. Encore un autre, allez. Ça peut servir de munitions si jamais on n'a plus que ça. Ok, qu'est-ce que c'est? Un rapport! Je vous laisse lire, les gars. J'ai dit que je lisais tout, mais quand même. Événement sismique cet après-midi. Après vérification du système, a révélé un désengagement du noyau. D'accord. Traque du noyau inefficace. Déplacement temporel mineur, mais sans dégâts structurels majeurs. Les citoyens inquiets commencent à appeler le centre. Noyau toujours déconnecté. Fissure mineure autour de l'hôtel de ville. Les citoyens restent calmes, mais un malaise croît. Perte de contrôle atmosphérique, chute rapide des températures. Et à 23h, nouvelle secousse sismique, les fissures de l'hôtel de ville deviennent critiques. Séparation imminente si le noyau n'est pas restauré. L'équipe Alpha est arrivée pour participer aux recherches du noyau. Très bien. Allez. On a encore des munitions et ça, ça fait plaisir. Bon, on n'est pas à l'abri. C'est par ici. Ici, il y a quelque chose. Mais où est Lily? Des balles de pompe. 4 balles de pompe, putain. Et 5 balles de pistolet. On va prendre la poupée, c'est parti les gars. Là va y avoir un petit boss, je pense. C'est lui, le tueur aux photos. Et cet enfoiré à ma petite fille. Putain, j'y étais presque. Bordel de merde! Du calme. Réfléchis. Il faut que je la sauve. Mon communicateur ne capte plus rien. Il faut que je trouve un autre moyen. O'Neill, je sais pas si je peux lui faire confiance, mais il veut partir d'ici autant que je veux retrouver Lily. Ok. O'Neill, c'est Sébastien. Vous m'entendez? Je capterai peut-être mieux dehors. Oh, ça sent pas bon. Allez, ça sent pas bon. C'est le plaisir. Là, vous entendez rien que ce petit bruit-là qui s'est passé. Ça veut tout dire. C'est terminé, hein. Je prends le pompe. Hein. Oh, non. Non, pas la fantôme. La musique du jeu. C'est sympa, ça fait radio. Ok. Ah! Mortel. D'accord. Et je suis pas full life. Ça va être terrible. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Oh, d'accord, attendez, c'est intéressant. Ah d'accord, j'ai grimpé dessus. Le manque de respect total. Très bien. Dites-moi pas qu'il y a la femme là, l'esprit là, ça j'en peux plus d'elle. Hein. J'aurais jamais dû aller écouter cette quête de merde. Souris pour moi. Te voilà. Mais où est Lily? Je peux pas le laisser s'échapper à nouveau. D'accord. Eh ben, il s'est pourtant bien échappé. Hé! Toi! La fille!
Où est-elle? Ok. Oh, je vais coller. Je vais coller la petite. Ah! What? Oh putain! Dur! On se retrouve après le temps de chargement. Bah, je dois me les faire. Ok, on va direct prendre le sniper. Voilà. Quel salaud. Je peux pas le laisser s'échapper. Il a un impact sur toute la ville. Hein. C'est lui le grand méchant. C'est lui le grand méchant. Ok. On est obligé de se faire taper la cinématique. Toi! La fille, où est-elle? Ou alors je me mets une smoke ou je me soigne, je sais pas vraiment, je sais pas vraiment les gars. Les deux à gauche m'ont pas vu. Une petite balle de snipe dans celui de droite, ça paraît pas mal. Ok. Allez, ça dégage. Eux, ils remportent ma thune. Ok, ça dégage. 1000 chacun, ça me fait plaisir. Chier, ah non, 700. J'espère que je pourrai avoir O'Neill cette fois. O'Neill, c'est Sébastien. Vous êtes encore en vie? Et je veux dire... Vous êtes toujours en vie, super. Vous avez pu localiser le noyau? Non, mais je sais qui la tient prisonnière. Il a des pouvoirs comme personne ici. Mais je l'ai perdu. Attendez, je pense pouvoir vous aider. J'ai repéré une fréquence que j'avais encore jamais vue. Elle provient de l'hôtel de ville. Génial. Où est-ce que c'est? Regardez en l'air. Vous voyez ce bâtiment avec une grosse horloge? Ouais. C'est l'hôtel de ville. Et comment je suis censé aller là-haut, moi? En fait, c'est un peu complexe. Revenez ici et je vous expliquerai. Bien. J'arrive. D'accord. Ah, la ville va faire que de bouger, ça va être terrible. Oh non. Des nouveaux monstres. J'ai nettoyé toute la ville pour rien. Ils me rechargent. Tant mieux, ça fait du gel, les gars. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Oh le délire. Alors, quand je disais tant mieux... J'aimerais rectifier ces propos, s'il vous plaît. Bon, bah, les gars, je vous dis adieu. Je vous dis adieu. On va clairement pas passer un bon moment. Mais l'important, c'est de s'amuser. Vous connaissez les bails. Est-ce que je vais chercher... Les gars, hop, on switch vite fait. Petite pause, je vais chercher les deux balles de fusil à pompe qui étaient totalement derrière. A tout de suite. Allez, nous sommes repartis et je suis totalement essoufflé. Je crois qu'il y a quelqu'un dedans. Regardez l'œil. Quelqu'un m'avait repéré à l'intérieur. Donc je suis retourné sur mes pas pour récupérer deux cartouches de pompe, c'est clairement pas négligeable. Les gars, il n'y a pas de petites économies, hein. Vous connaissez les bails. Et donc on doit retourner dans la planque avec O'Neill. Et ça va être terrible parce que bah, tout a repop. Tout a repop et on va clairement... je sais pas si on va s'amuser finalement. Je sais pas si c'est les termes... Là c'est les chiens là-haut. Là-dedans, là, dans le petit parc, c'est les chiens. Ah, c'est terminé, hein. Je vais arrêter les conneries, moi. Oh, mais ils sont terribles. Il y a l'œil depuis tout à l'heure. Combien vous êtes, putain? Nom de Zeus! On se casse. J'entends des bruits partout. J'entends des bruits partout. On va retourner dans la planque d'O'Neill. On la fera plus tard, elle, hein, derrière. O'Neill va nous expliquer comment aller à l'hôtel de ville. On les refera plus tard. De toute façon, ils vont me régaler en gel. Et ça, c'est très très cool. J'hésite même à encore augmenter ma vie.
Et ça serait pas mal, je pense, d'ailleurs, d'augmenter sa vie. Allez, c'est parti, O'Neill, dis-moi tout et puis on va pouvoir s'arrêter là. Quoique, j'ai peut-être sauvegardé, garder le suspense pour l'épisode prochain. Je pense qu'on va faire comme ça. Ok, cartouche de pompe. Ça, je prends tout, par contre, direct. O'Neill m'a tout bien mis. Il fait plaisir, le frérot. Ok, les gars, petit café. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. On se retrouve très, très vite pour notre épisode 9. A bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.